L'école Saint-Noël Chabanel et on vous a préparé une émission avec beaucoup de contenu aujourd'hui et on part ça maintenant! Suivez-moi! Je sais pas si où. Oh! OK! Allô! Vous êtes là! Aujourd'hui, pour notre conférence, nous allons nous attarder sur la complexité de deux chiffres très, 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 très intéressants, le 1 et le 2. Chers collègues enseignants, enseignantes, j'aurais besoin de votre aide. S'il vous plaît, attribuez un de ces deux chiffres aux étudiants dans la pièce. Comme ceci, par exemple. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est compris, hein? OK, attention, c'est parti, on y va! Plus vite, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. 1, 2, 1, 2. Vous pourriez au moins me mettre sur pause pendant ce temps-là, je pourrais ne plus bouger. Bon, voilà, c'est fait. Merci de votre aide, là. Je vous inviterai à quitter la pièce, aller prendre un petit café, quelque chose. C'est fait. Allez, 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 allez. Oui, oui, oui. Bonne journée. Hein? Bon. Yo les punks, c'est l'heure de brasse ta classe avec Brett Roquette! Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on a exactement 2 minutes pour faire quelque chose d'interdit en classe. Interdit, là, ça prend un S ou un E à la fin. En tout cas, c'est pas grave. Vous aurez compris que ma qualité première, c'est pas l'orthographe. C'est plutôt ma moustache. L'interdit du jour, c'est le désordre. Le désordre. On va donc jouer à au-dessus et en dessous. Ça! Matériel nécessaire, ton étui à crayon. T'as 5 secondes pour aller la chercher. Top chrono! Terminé. Je connais 2 ninjas. Cha! Au-dessus puis en dessous. C'est normal, vous les connaissez pas, c'est des ninjas. Une chose que les ninjas détestent, c'est les chaises. C'est tout le temps dans leurs jambes. Fait que ce qu'on va faire, vous allez placer votre chaise au-dessus de votre bureau. Comme ça! Comme ça! Si t'as reçu tantôt le chiffre numéro 1, c'est que t'es un en dessous. Tu vas donc prendre ton étui à crayon puis tu vas la mettre en dessous du bureau. Comme ça! Si t'as reçu le chiffre numéro 2, c'est que t'es un au-dessus. Tu vas prendre ton étui à crayon, puis tu vas la mettre au-dessus du bureau. Comme ça. Les au-dessus, votre but à vous, c'est simple, c'est de vous promener à travers la classe puis de tenter de mettre tous les étuis à crayon au-dessus du bureau. Pendant ce temps-là, les en-dessous font la même chose, mais en essayant de mettre tous les étuis en dessous des bureaux. L'équipe qui gagne, ben c'est celle qui a le plus d'étuis à crayon au bon endroit, ainsi de suite. Bon, personne saigne du nez, c'est que tout le monde a compris. Mais attention, il y a des règlements. Règle numéro 1. Comme à la piscine, on marche. Règle numéro 12. Il est interdit de voler un étui à crayon ou encore de pousser un autre ninja. Règle numéro 13. Un ninja reste toujours en mouvement. Dans le fond, pas le droit de rester en arrière du même bureau. Un ninja, ça marche comme ça. Règle numéro 4. Faites attention aux chaises. S'il y en a une qui tombe, et le jeu est fini. Dès là. On y va dans 3, 2, 1. Ninja! En direct de ce grand affrontement des au-dessus et des en-dessous, Jean-Yvon, regardez à quelle vitesse se déplacent nos au-dessus. Ah, ils dégainent, ils dégainent, ils dégainent. Avec quelle force ils y vont pour prendre les étuis et les glisser en dessous des bureaux. Tellement d'accord avec vous, Georges Alain. Et souvenons-nous du règlement qu'il est interdit de pousser un autre ninja. Ah. Oh, et les en-dessous qui tentent une remontée extraordinaire. Quelle fête ici sur la gauche. Sans crier garde, Jean-Yvon, regardez les en-dessous qui sont là en train de subtiliser rien de moins que tous les étuis pour les glisser sous les bureaux. Oui, oui, effectivement, Georges Alain, mais attention, hein. Important de se souvenir qu'on ne peut subtiliser, c'est-à-dire voler, l'étui à un autre ninja. Mais Jean-Yvon, la question qui est sur toutes les lèvres actuellement,
qui des au-dessus ou des en-dessous remportera cette fameuse partie, eh bien nous serons immédiatement dans 3, 2, 1... Terminé! Oh, ça sent l'esprit d'équipe. OK, alerte au prof, allez, on range tout. Vite, remettez les chaises sur le sol, mais laissez les étuis en place. Ah, chers collègues enseignants, enseignantes, quel sens du timing! Vous arrivez juste au bon moment pour la conclusion de notre expérimentation très scientifique à propos des au-dessus et des en-dessous, des 1 et des 2. Je vous laisse, si vous le voulez bien, là, dénombrer le nombre d'étuis qu'il y a au-dessus des bureaux et ceux qu'il y a en-dessous, parce que, moi, désolé, je dois me sauver. Je donne prochainement une conférence à Shibugamo Beach. Au revoir! Merci encore! Bye les punks! Je suis très fier de vous présenter pour la première fois la capsule avec Monsieur Bastien autour du feu! Hey, je suis pas pire, hein? Salut, moi c'est Bastien. Aujourd'hui, je t'invite à participer activement à mon histoire. Puis j'espère que t'es en forme parce que moi je le suis. Hey, lève-toi! Faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Frotte les mains. Allez, frotte les mains. Allez, coupe du bois. Encore, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. Ah, moi, là, j'adore le camping. Hey, un matin, je sors de ma tente pour aller faire mon jogging. Tiens, viens courir avec moi, tu vas mieux comprendre la suite, OK? C'est parti! Hey, c'est-tu beau, la nature, hein? Sans ça, l'air, hein, le sapin. Ah. Oups, OK, on va sauter par-dessus des roches. Attention, t'es prêt? Oh, excellent! Encore! Oh. Hey, y en a une troisième plus haute. Wow! On va enjamber des racines. Ouvre, ferme. Excellent! On court à gauche, court à droite. Et puis là, tout à coup, devant moi, est apparu un ours. Il ne bouge pas. Mon grand-père, quand j'étais petit, il m'avait appris que les ours avaient une très mauvaise vision et que pour les berner, il suffisait de prendre la position de l'arbre. À mon signal, on lève une jambe puis on pousse comme un arbre. Go! Lève ta jambe. Pousse tes branches. L'ours est passé. C'est retourné. On va changer. Change de jambe doucement. Fais pas de bruit. Excellent. Et c'est là qu'un poil de l'ours s'est déposé dans ma narine de gauche. Et là, j'ai achoumé. On y va ensemble, OK? Achoum! En entendant ça, l'ours s'est retourné et a couru dans ma direction. On court tout le monde! On fait des genoux, ça va aller plus vite. Genoux, c'est ça, excellent. Oh non, il approche. OK, on lui envoie de la poussière avec nos pieds. Talons, fesses. Excellent, plus vite que ça. Mais on a couru comme ça jusqu'à temps qu'on arrive sur le bord d'une falaise très, très haute. Oh, oh, plus déçu. L'ours s'est approché de moi. Je me suis mis à trembler des mains. Je te vois, toi aussi tu trembles. Ah ouais, vas-y. Tremble des mains avec moi, hein? Des bras, oh! Des jambes, de tout le corps! À ce moment-là, l'ours a levé sa patte dans les airs, a sorti ses griffes, a déposé sa patte sur mon épaule et a dit... Tug! Cette journée-là, j'ai eu la peur de ma vie. Mais je me suis fait un nouvel ami. Comme quoi, dans la vie, là, faut pas avoir peur des différences. Allez, on se revoit dans une autre aventure autour du feu! À l'envers. La prochaine capsule aussi, elle est vraiment drôle. C'est avec un humoriste que vous aimez beaucoup. Voici la minute à la prise. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait le gribouillis en folie! Pour ça, t'as besoin d'une feuille, un crayon, une efface. Attention, vous êtes prêts?
Vous prenez votre crayon, c'est parti! Et là, on fait des gribouillis, on gribouille, On en fait partout sur la feuille. Attention, il va comme ça. En haut, fais des X, fais des X. Crochet. Ron. Ils vont vite, on se dépêche. Vite. Attention, stop! Petite pause. On étire comme faut les bras. Maintenant, on prend les faces et on efface! C'est parti! On se dépêche, vite, faut tout effacer. Faut que la feuille redevienne blanche au complet. On efface, regardez. On efface, on se concentre. On peut effacer en rond. On efface en rond. On efface en poitier. On efface. Allez, hop. Let's go! OK! Voilà! Et si vous êtes aussi bon que moi, ça donne ceci. C'est moi. Mesdames et messieurs, avant la prochaine capsule, j'aimerais vous faire un tour de magie. Je vais faire apparaître de l'eau. Et du savon. Savon. C'est le temps du devinoton. Je vous donne le nom d'une position de yoga et vous allez devoir essayer de la deviner en bougeant. Bon yoga! Namasté. La position du chien. Vous avez 20 secondes pour la deviner. C'est parti! Voilà la bonne réponse, le chien. On poursuit avec la position de la montagne. Le compteur est en marche. La position de la montagne. Maintenant, la position de l'arc. Top chrono! C'est trop bizarre. Oh ouais. La position de l'arc. On continue avec la position de l'huître. Et toi, dans le fond, fais-le aussi. Et là, j'ai touché le fond. Voilà la position de l'huître. La position de l'arbre. Vous avez toujours 20 secondes. Je vous regarde essayer. Ça, c'est l'arbre qui se fait pousser par les feuilles. Hein. L'arbre. Je vous présente la position de l'arbre. Et maintenant, la position du dinosaure. Un dinosaure! Sais-tu que l'oxygène qui se trouve dans l'air que tu respires est vital pour que ton corps fonctionne bien? Ah, ça fait du bien. On peut manquer de nourriture, d'eau et même d'Internet pendant un certain temps, mais quelques minutes sans oxygène et notre vie est déjà en danger. C'est pour cette raison que les astronautes portent des combinaisons spatiales. C'est pas pour être à la mode, mais pour respirer puisqu'il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Que de plaisir au yoga et c'est maintenant le temps de revenir au calme. Alors on va faire l'exercice de l'éléphant. Voici votre trompe, c'est votre main et on va faire des 8 à l'horizontale tout doucement en regardant votre main du regard. Maintenant, on va aller de l'autre côté avec l'autre main.
Et on termine avec une grande respiration. Demain, ne manquez pas notre capsule avec la danse Force 4 version de l'école Saint-Noël Chabanel. Et l'école nous a préparé toute une surprise. Vous voulez pas manquer ça, hein, la gang? Ah ben, coudonc, hein? Tout le monde dort. Force 4!